Hey. On est arrivé, ça y est. Donc on est au pont suspendu de Capilano. Donc je sais pas combien de mètres il fait le délire. Je sais pas, mais en tout cas c'est 150 mètres, je crois. C'est trop beau. Et c'est dans un espèce de petit parc. Genre il y a des pins, c'est tout vert, c'est magnifique. 137 mètres, voilà. Parce que 750 mètres, c'est 137 mètres de longueur et 70 mètres de hauteur. C'est grave beau. Ouais. C'est grave beau. Franchement, c'est magnifique le site. Hein. Dans la forêt et tout, c'est trop bien. Here I am. Know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home. Go back home. Go back home. Stanley Park, donc on a quitté le pont suspendu, franchement c'était trop bien. Ouais. C'était magnifique. Vraiment des paysans, tous les arbres centenaires. Grave des paysans, genre trop beau. Enfin, on n'a jamais. Tiens, alors eux ils font de la muscu mais vénère. Bon, je peux pas filmer, mais on passe devant un couple, ils sont grave bodybuildés de ouf. Et donc on a été au parc du pont suspendu, c'est super bien, magnifique. Et donc là on a repris la voiture, on est à Stanley Park. C'est un parc dans Vancouver en fait et c'est immense. On peut faire du vélo, on peut aller à la plage, on va aller à la plage. J'ai mis mes pieds dans l'eau, l'eau elle est méga froide, elle est à 19 degrés. Mais par contre il fait bon dehors. Ouais. Et il fait pas hyper chaud, donc ça c'est agréable. Donc on peut faire plein d'activités, c'est immense. Et c'est un des plus grands parcs d'Amérique du Nord, donc il est vraiment super grand. Et il y a une espèce de corniche, on peut faire du jogging, enfin bref, trop de trucs. Et avec Jérôme, on se dit, on se verrait bien vivre ici, quoi. Ouais, c'est vrai. Franchement, il y a tout, c'est nature, mais il y a aussi de la city. La ville, c'est super mignon, il y a plein de trucs. Jérôme, il est à fond dans son café et tout, quoi. Ouais. Puis il y a la nature à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a la plage, Mais bon, c'est ce que je lui dis, l'hiver, ça doit être un peu rude, quoi. Ouais, mais enfin, voilà. Tu veux marcher sur la... Non, okay. Il veut pas marcher sur le sable. Donc ouais, non, franchement c'est grave bien. Donc là on marche et on va à l'espèce de point de vue. J'arrive même pas à faire le drone, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde là. Ouais, il y a beaucoup de monde. C'est un drone, c'est mort. En fait, sinon il faudrait que je le fasse décoller dans un endroit où il y a personne, tu vois. Bah ouais, à part faire jungle tout seul là-haut, ouais, je sais pas trop quoi. Il y avait un point de vue où on s'est parqué là, l'herbe, mais il y a quand même des gens qui passent. Après, c'est toi qui vois. Oui, t'inquiète. Voilà. I was high and I was low. Moved through mountains, rain and snow. But I felt that I was further from the truth. In one dark and stormy night. Rolling thunder, flashing light. Heard a whisper in the night. And it said. Je veux bien que tu mettes le. Le GPS. Donc là, on va aller au marché de Granville Island, qui est situé dans le centre de Vancouver. Donc c'est un marché avec plein de trucs. On peut manger là-bas parce que moi, je commence à avoir faim. Il est 13h et on a mangé depuis. Elle a mangé tôt en plus. Bah ouais, ce matin, on a déjeuné méga tôt. On s'est élevé à 6h du mat. On a déjeuné, il était 7h quoi. Donc là, il est 13h, j'ai trop faim. Ouais, donc il nous faut 27 minutes pour aller au marché, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'ai la dalle. Il y a un... Putain, comment t'as freiné là? Il y avait un dodane, il l'a pas vu. Alors que c'est à 5 minutes à vol d'oiseau, sauf qu'il faut faire tout le tour de l'île, tout le tour du parc en fait, pour aller au marché. Donc je suis un peu dégoûtée. J'ai la dalle. Mais on va se retenir. J'espère que ça vaut le coup. Hein. On mangera un truc sur le pouce. On mangera un truc sur le pouce, sur le pouce.
Ouais. Bah c'est sûr, on va pas s'attabler parce qu'en fait, on avait vu un resto là dans le parc. La meuf, elle nous propose le menu. C'était 43$ entrée plat dessert. C'est bon, voilà. J'ai dit non, c'est mort. C'est mort. On le voit bien le pont là. Donc, ça, c'est le Lion Gate Bridge. C'est bon chichi? Bon, Jérémy a mangé sa pizza qu'il a englouti. Et là, un wrap falafel. Il y avait tellement de monde dans le marché. Oh. C'était l'heure de pointe. C'est la betterave. C'est la betterave? Ça a l'air bon. Il y avait trop de monde. Laisse tomber tous les stands. Ils étaient full. Du coup, on s'est dit putain, qu'est-ce qu'on fait? On mange quoi? On mange où? J'avais vu un truc de tacos, mais laisse tomber la queue. Finalement, j'ai pris un truc grec. Avec du poulet, de la salade, donc impec. C'est bien. Jérémy s'est fait ami-ami avec la mouette. Je l'en suis un truc, babe. Regarde. Bon, il a pris. Wow. C'est marrant. Ça veut dire? Juste sentir moi. Oh, ça sent trop la friture, j'aime pas ça moi. C'est bon? C'est marrant, c'est pas comme le donut. On... C'est plutôt un gâteau quoi. Ouais. Ouais, c'est un gâteau quoi. Bah. Ça se voit que c'est pas industriel en fait. Ah ouais. C'est beaucoup levé. Ceci dit, ça sent bien la friture du donut quoi. Ouais, c'était texture brioche, tu vois, ça sent. C'est la cinnamon, hein. Ils sont bons ou pas? Bof, t'as goûté mieux quoi. Bah, les crispy crème, ouais. Pas la texture vraiment du donut. Alvéolée, moelleuse. Ouais. Ok, bon, t'auras goûté quoi. Après un super workout, dans une salle qu'on a trouvée qui s'appelle Anytime Fitness, on a payé 30$ les deux passes. On se retrouve dans la mec, ultra mec de la organic food. Whole Foods. Donc on a trouvé un Whole Foods sur la route pour rentrer à la loge. Et on adore ce magasin. Il y a trop de trucs, c'est bio. On a partout. Il y a de l'homéopathie, je peux acheter comme ça. Oh, regardez leur fly. Des shakes, j'adore.